Allez, salut à tous, salut à toutes, c'est Vivi, je vous retrouve pour un nouvel épisode des Sims 3, l'épisode 55 de notre aventure. Ce sera sans doute le dernier sur l'année 2023, hein. Je tiens quand même à le préciser, hein. Après il faudra attendre 2024 pour avoir la suite de cette playlist, tout simplement. Donc épisode dernier, nous avions quitté l'aventure comme ceci, c'est-à-dire je les avais installés sur le canapé puisque... Une fête surprise était un petit peu tombée en fin d'épisode. Alors il y avait eu même pas mal de rebondissements dans l'épisode dernier, puisque en début d'épisode on avait été victime d'un cambriolage. Donc ma foi qui s'était plutôt bien terminé. On avait fait après surtout bon, de la routine entre guillemets hein, au niveau du travail de Zelda. Jérémy lui était resté à la maison puisqu'il avait pris des congés. Alors congés sans solde, hein, il n'est pas vraiment payé. Pour avancer sur la salle de bain notamment. La salle de bain, donc on va continuer dans cet épisode, je sais pas si malheureusement on aura le temps de la terminer en entier, mais en tout cas, on va essayer de l'avancer un petit peu, et puis, cette fameuse soirée qui est tombée à la fin de l'épisode dernier, c'était pas forcément prévu au programme, puisqu'il y a des, vous savez, des choses qui tombent dans les Sims, comme ça, un petit peu à l'improviste, donc c'est cool, on va y aller, alors pas très très longtemps, puisqu'il est 22h en jeu. Et puis enfin, on va aller voir ce qui s'y passe. Le but, c'est que nos personnages, hein, donc Jérémy, Zelda, ne crèvent pas de faim, entre guillemets. Mais bon, il y aura normalement à manger là-bas, ou au pire, on se servira. Dans les fêtes des Sims, en général, il y a souvent ce genre de choses. Hein, ils mettent des trucs sur les tables, ou quelqu'un d'autre cuisine. Et puis, on arrive à manger comme ça. Et puis surtout, au niveau de l'énergie, parce que mine de rien, les deux sont quand même bien à plat. Donc c'est pour ça, hein, je ne vais pas aller pouvoir les faire rester jusqu'à... Bah jusqu'au petit matin, on va dire. Même si, bon, demain c'est dimanche, théoriquement, on a Zelda qui ne travaille pas, donc il n'y a pas de souci, même s'il se lève pas trop de bonne heure le dimanche, c'est pas dramatique. Et puis, de toute façon, Jérémy, c'est la même chose, ne travaille pas. Voilà, donc pour le petit récap, vite fait, de début d'épisode, on va avoir ça, en gros, dans cet épisode à faire, un petit peu de rangement, bien sûr, dans la maison, ici et là. Et puis, bah un épisode d'une durée de 1h, 1h30, selon ce qui se passera. Voilà, donc on va leur faire prendre l'auto, et puis on va les diriger donc chez Pauline et Hank. Normalement, c'est chez eux que la fête a lieu, tout simplement. Alors, on va rappuyer donc sur Play. Ils attendaient sagement qu'on les... Alors, normalement, ils sont déjà habillés. Ouais, ils sont pas trop mal. Zelda, elle a mis une belle tenue. Et puis, Jérémy, bon, mon fou, il est pas trop mal sapé. Ça ira bien. Donc, voiture pour Jérémy. Donc, tac, on va faire... aller sur le terrain avec avec Zelda, tac, ok. Et puis le jeu normalement devrait me demander où on veut aller. Voilà, parfait. Alors maintenant le plus dur va être de trouver la maison de Pauline et Hank. Alors si je ne dis pas de bêtises, elle est dans la zone. Bah de toute façon ce sera les zones allumées, donc ça peut être par ici. Alors que je regarde un peu Wainwright, je crois pas que ce soit ça. Mère célibataire, Van Godard, ouais, Pauline Wan et Hank Godard. Allez, c'est ici, tac. Donc allons-y de ce pas. On va pouvoir les suivre pendant le parcours. On va voir aussi qui est présent à cette fête, je sais pas. Je sais pas s'il y aura des connaissances, peut-être ce sera l'occasion aussi pour nous de faire la rencontre de nouvelles personnes. Allez, tu te dépêches Zelda, parce que on va pas y passer la nuit. Il prend bien son temps, la demoiselle. Voilà, c'est bon, ils sont en voiture, impeccable. J'espère qu'elle s'est fait belle, mais oui. Notre Zelda est toujours jolie. Alors ça va vite. On va peut-être juste faire une petite pause histoire de placer tout ça. Alors ça, comme d'hab, on s'en fout. Et donc nous voici arrivés sur les lieux. Alors, est-ce que déjà... Alors on n'est pas trop censé savoir qui c'est qu'il y a hein, pour le moment à la fête. Donc ma foi, on le découvrira. Je vais peut-être mettre la maison en mur plein, histoire de voir si je peux sonner. Alors, c'est Jérémy qui va s'y coller. Aucune interaction disponible. Ah, zut, on peut pas sonner à la porte. Bon, on va quand même se diriger ici. Et Zelda aussi. Allez, c'est parti. Et puis, je remettrai les murs plus petits ensuite. Alors, Jérémy, tu viens ? Ok, bah il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. On va voir tout ça en rentrant. Donc la musique n'est pas trop forte, hein, histoire de que je sois pas embêté avec les droits d'auteur. Alors je vais les faire rentrer, hein, puisque...
puisque on nous invite pas à rentrer en soi, c'est déjà ouvert. Ok, bon bah c'est bon. Alors, on va essayer de faire un petit peu le tour des gens. Alors, comment est-ce qu'on va leur faire faire? Est-ce qu'il y aurait à manger dans cette baraque? Oui, il y aurait des trucs là. Donc ça, c'est pas mal. Zelda, tu vas parler avec qui, toi? Il y a une fille ici, c'est Jamie Jolina. Bobby Sergent. Lui, c'est une célébrité. Bah tiens, tu pourrais éventuellement saluer. Jérémy, tu vas t'occuper de la popote, toi, hein, parce que... J'ai l'impression que personne n'a envie de faire quoi que ce soit. Ok, moins. C'est génial. Excusez-moi, mais ce n'est pas le moment. Revenez me voir quand vous aurez quelque chose d'intéressant à raconter. D'accord. Donc, Zelda, a priori, n'a pas fait mouche avec ce monsieur. Bon, c'est dommage. Toi, tu es qui? Scout. Alors, on va aller lui dire bonjour. Jérémy est en train de cuisiner. Impeccable. Lui, il s'en fiche. Hein. Il va faire à manger parce que sinon, on va rien avoir. Vu qu'il est bon en cuisine, théoriquement, ça devrait pas être mal. On pourrait peut-être crier à table hein, après pour les gens. Je sais pas, on va voir. Moi, c'est surtout mes deux personnages que je voudrais que mangent. Jérémy aurait envie de pisser, mais il y a un monde là-dedans. Ça se trouve, il y en a qui sont en train de dormir à l'étage. Bah oui, c'est ça en plus. Hank, il est là. Il y en a un qui joue de la guitare. Et Pauline, ok. Bon, ça se passe pas mal. Donc elle est en train de discuter, ouais, donc c'est bon. On pourrait peut-être saluer Hank, quand même. Alors, je vais juste faire pause, histoire de voir, parce que Jérémy s'est servi, donc c'est parfait. Je vais faire servir Zelda, après les autres, hein, j'ai envie de dire, c'est leur propre de face des merdes. Hein. Donc, mettre les restes de côté, on peut faire convier au repas, mais j'ai peur que... Bon, on va essayer, on verra bien. Tout le monde... J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place. Alors, on va voir lesquels seront les plus rapides. Comme ça, ils vont manger un peu tous ensemble, c'est cool. Enfin, tout le monde arrive. Elle essaie une assiette pour Zelda, par contre. Hein. Allez, va chercher, tu vas. Attends. Oh, mais on va pas en avoir. Allez, c'est parti. Jérémy est en train de se goinfrer, lui. Bonjour, monsieur. Et qui? Bruno Galantom. Hop, et de 3. Bon, bah, Zelda, t'auras plus de chaise. Mais regardez-vous pas devant un pot de miel, enfin. Ils sont en train d'attendre, regardez, vous allez pas faire des manières, là. C'est Pauline qui est venue me chercher, ouais. Ah, oh, c'est pénible, ça. C'est vraiment pas réaliste du tout. Il passe une heure pour qu'il se serve une assiette, sérieusement, quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, Jérémy, maintenant. Bah oui, il n'y a plus de place pour s'asseoir, forcément. Jérémy, il aurait envie d'aller aux toilettes. Alors, il va y aller. La musique, je verrai ça de toute façon lors du montage. Il est quelle heure? Il est déjà 1h36, on va pas stationner là longtemps, nous. Hein. Je vais pas stationner longtemps parce que... Alors, est-ce que vous avez trouvé des places assises? Oui, Zelda, c'est bon, il est en train de manger, donc c'est ce qui compte. L'énergie de Jérémy est au plus mal. Puis Zelda, c'est pas mieux. Donc, de toute façon, on va dire au revoir et puis on va se rentrer, nous. Jérémy, merci d'être venu à ma fête. Bon, bah, c'est cool. Il est content. C'est ce qui compte. Bah, peut-être que tout le monde s'en va, du coup. Donc, fin de la fête. Ouais, rentrée. Bon, bah, c'est bon. Ils nous ont tous foutu dehors. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est sûr, c'est pas une fête sensationnelle, hein. Dans les Sims, faut pas vous attendre à des trucs. On peut faire des trucs bien, mais... Déjà, d'une, là, c'est pas chez nous. Et puis, de deux... Hop, rentrée. De deux, voilà, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, quoi. Bon. Ma foi, ça s'est relativement bien passé, il n'y a pas eu de baston, il n'y a pas eu de... Voilà, on a fait acte de présence, c'est cool. On rentre à la maison, on va les faire dormir. Parce que c'est toujours des grands moments, hein, les fêtes, en général. Hein. Allez, go, chemin du retour, j'espère que vous n'allez pas vous endormir au volant. Il manquerait plus que ça, ouais, normalement on peut pas avoir d'accident en voiture, mais bon. Qui sait? Hop, nous voilà revenus, la voiture est garée, allez, impeccable. Au dodo tout le monde, au niveau des besoins, tout le monde va pas trop mal. Donc j'ai Zelda qui va dormir ici. Ouais, dormir dans le lit qui appartient à Jérémy, ma foi si tu veux. C'est dormir dans le lit qui appartient à Zelda, allez go. Donc là on va se retrouver, voilà, on est déjà dimanche.
Donc Jérémy, lui, dimanche, il va faire un petit peu de boulot au niveau de la douche, mais vu qu'ils vont pas se lever trop de bonne heure, bah, on va pas avancer des masses. Hein. Mais bon, on continuera les épisodes prochains, c'est pas grave. Et puis Zelda, bah, je vais la faire ranger un petit peu la maison. Alors vite fait, hein, il y a un petit peu de linge, je vois, qui traîne. Peut-être un peu de ménage s'il y a besoin, et puis leur faire vivre leur meilleure vie. Dans la maison, lui, une amitié avec Hank. Bah t'étais ami avec lui, non? Bah non. Ouais, bah après, rencontrer un vampire, ouais, j'aime pas trop le faire, ça, mais bon. Bon, je vais quand même surveiller l'heure. Parce que sinon, on va rien faire. Hein. Sachant que les deux vont travailler lundi. Donc je pense que dans cet épisode, on pourra faire la journée du dimanche sans souci. La journée du lundi sans souci également. On sera peut-être mardi à la fin de l'épisode, voire mercredi, selon l'avancement des choses. Alors, il est 9h30. Allez, debout tout le monde. Hop, on va arrêter le dodo. Oh, du moins pour Jérémy. Zelda, stress au lit, c'est pas grave. Toi, j'ai moins de choses à te faire faire. Mais Jérémy, il faut qu'il se lève. Je vais le faire manger un repas rapide. À moins qu'il y aurait des restes. Poisson, macaroni, maintenant pour un déjeuner, ça va pas être top. Je vais prendre tes petits céréales. Et c'est nickel, voilà, il est en tenue pas trop mal pour bosser, impeccable. Allez, donc aujourd'hui, on va s'installer la suite des événements concernant la salle de bain. Donc le toilette est mis, la baignoire est mise. Il va nous rester la douche qui n'est pas installée. Et puis encore tout ce qui est meubles, évier, plus les décorations, les luminaires, il y a encore du boulot. Alors le téléphone, ça attendra. Oui, bah toi, tu t'arrêtes de t'énerver. Donc tu vas nettoyer toute la maison là qui traîne. Tu vas faire le lit. Donc tu pourras faire ça après, à la rigueur. Tu vas déjà aller. On a un repas rapide. Toi, tu es au jus de fruits le matin. Toc, donc toi, ton assiette, elle va s'en occuper. Tu vas aller directement te placer. Je vais te mettre ici à l'entrée, puis tu vas aller bosser. Hop. Bosson, bosson dans la douche. Donc la douche, on l'a, hein. On va estimer qu'on l'a. Je vais attendre que Zelda s'installe, et puis je vais lancer pause pour aller dans le mode achat. On achète la douche qui était prévue. Hein. J'ai tout noté, hein, je sais plus dans quel épisode, peut-être le 56 ou... non, pas le 56, le... enfin bien avant, là, le 52 ou... Donc du coup, je peux retrouver facilement, c'était la douche à 2000$. Mais de toute façon, je me rappelle ce qu'elle ressemble. Alors, on est parti. Mode achat. De toute façon, on avait fini au niveau de tout ce qui était construction. Et on est parti donc dans la salle de bain. Douche. Douche à 2425. Ah oui, c'est la plus chère en fait. Donc tout ce qui est coloris, hein, on verra ça après. Une fois que j'aurai tout installé, on estime que les coloris sont les bons hein, du début. Hein. C'est juste que dans les Sims, ça se passe pas comme ça. Parce que je vais créer un style avec l'ensemble du mobilier. Pour que tout soit identique. C'est une salle de bain qu'on a commandée entière. J'ai un fournisseur. Donc tout ce qui sera robinetterie, etc., etc. Tout est déjà de la même couleur de base. Moi, je suis obligé d'y installer comme ça. Pour une question de praticité. Hein, parce que sinon, c'est assez chiant à manœuvrer. Donc du coup, je vais me baser sur une couleur. Et ensuite... on aura ce qu'il faut. Alors la douche, elle va là. Par contre, il faut juste qu'on voie au niveau du sens. Mais de toute façon, ça va être ça parce que la porte... ouais, je peux mettre la porte par là, mais non, je préfère avoir le pommeau ici. Voilà. Donc tac, douche c'est fait, on reverra les coloris ensuite. Donc il y aura bien sûr du tapis, etc., etc. Mais là, au moins dans l'immédiat maintenant, hein, c'est ce qui m'avait d'ailleurs été dit en commentaire. On a tout ce qu'il faut pour se laver et aller aux toilettes, hein, parce que ça avait manqué dans un épisode, je le sais. On peut pas faire toujours réaliste, hein, malheureusement. J'essaie de faire au mieux, mais pas toujours évident. On est quand même obligé aussi d'y jouer comme le jeu est, hein, ne l'oublions pas. Donc ouais, et là, il y aura donc tout un système de mobilier. Alors, est-ce que j'en fais encore dans cet épisode? Je pourrais éventuellement poser l'évier sur la journée du lundi en jeu. L'évier, ou même commencer les meubles. Parce qu'il y a tout un système de meubles. De toute façon, moi, j'avais fait un essai, hein, et je sais déjà ma salle de bain, comment elle doit être à l'arrivée. J'espère qu'elle vous plaira, d'ailleurs. Donc ça, c'est bon, c'est installé. Donc on va reprendre le mode vie.
rappuyer sur play. Et puis Jérémy, ben, je vais l'installer. Bon non, je peux le laisser ici. En théorie, il va faire son job. De toute façon, il n'y a pas de. Enfin, l'autonomie est désactivée, donc. Théoriquement, il n'a pas lieu de faire quelque chose. Elle va déjeuner son jus d'orange. On va prendre la vitesse 2. Et donc toi, tu vas me commencer le rangement, ma grande. Allez, nettoyer. Et puis j'ai vu que tu avais mis un jus de frais à côté de la chaîne, ma grande. Donc est-ce que tu vas le prendre aussi? Non. Allez, vous nettoyez cette baraque. Tu vas me faire le lit. Alors, elle peut rester en pyjama, je m'en fiche. Pas très grave. Niveau machine à laver, on est bon. Donc toi justement t'auras besoin d'une douche, mais on va utiliser la baignoire de préférence puisque c'est celle qui a été installée en priorité, elle va prendre un bain elle. Et puis, toilette, bah toilette c'est bon. Toi au niveau d'hygiène tu seras pareil. Voilà, je vais faire avancer un peu le temps. Je lui ferai faire un peu d'ordi je pense à Zelda. De l'ordi ou même des bouquins parce que je crois qu'elle a un bouquin à lire elle. Dompter les indomptables, édition musicale, oh, bah c'est sûr c'est à elle ça. Donc tu vas me lire ça. Ah, relire. Bah alors range-le, parce que tu l'as fini. Par contre, tu pourrais t'entraîner à la guitare, ma grande, toi. Gagner un point de compétence guitare en plus, baby. Donc tu vas faire ça. Hop, ça va t'occuper. Puis ensuite, tu iras au bain. Ah oui, c'est vrai, elle va jouer là-bas sur le balcon, c'est très bien. Et comme ça, elle nous casse pas les oreilles. Alors, on va avancer le temps jusqu'à au moins 15h. Tant qu'elle fait ça, on est tranquille. On peut l'écouter un petit peu. Il n'y a pas de linge dehors, non. Pas qu'on refasse hein, le design de sa guitare, j'avais dit. Allez, 14h30, on va pas tarder d'être mal, comme ça Jérémy, je vais pouvoir lui faire reprendre des activités autres. Ok, il est 15h. Donc ça commence à devenir bon. On va repasser en vitesse 1. Et donc, on va s'occuper de tout ci, tout ça. Alors toi, tu vas aller faire un pipi. Puis tu vas te détendre un petit peu, je pense, en jouant à la console. Et toi, ma grande, tu vas arrêter ta guitare. Tu t'es pas trop mal entraîné. Je sais pas d'ailleurs où c'est que t'en es au niveau compétences, guitare. Oh, bah t'as bien avancé. Ouais, bon, on y refera faire. Et puis donc, tu vas aller prendre un main. Go. Voilà, tout le monde a des petites activités. C'est pas trop mal. Il est beaucoup plus compliqué hein, à faire gérer deux Sims après. Bon, ça reste faisable, hein, mais... Après, quand il y en a même encore plus, c'est chaud, c'est chaud. Vous arrivez d'occuper tout le monde. C'est pour ça. Alors, après, vous pouvez laisser la... l'autonomie, là. Alors, si je me souviens bien, je m'avais pensé à un truc. Je vois les poissons. Je me demande si on n'en avait pas un. Ah oui, c'est ça. Alors Jérémy, tu vas t'occuper de ça parce qu'à mon avis, j'ai un poisson dans la boîte aux lettres. On en avait récupéré un, je sais plus où. Faudrait qu'on le pende. Parce que là, on a le hareng sort. Poisson rouge. Alors là, celui-là, il a pas de nom, mais je crois que c'est un poisson autre, ça. Oui, tiens, on a reçu un poisson accroché au mur. Alors, on va s'en occuper tout de suite. Faisons pause dans son inventaire personnel. Ouais, c'est un thon. Qualité parfaite. Hein. Il est gros. Non, ça va. Alors, où c'est que je vais le mettre, par contre? Alors, paraît-il qu'on peut faire des hauteurs. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi. Alors, je vais juste le mettre là pour tourner ma caméra. Il faudrait que j'arrive à trouver un endroit. Ah ben, on pourrait le mettre là, ouais.
Ça va être derrière la lampe. Bah écoutez, il va aller là, on va pas trop en profiter. Ah bah surtout qu'il y en a encore deux ici. Oh mon dieu. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose pour les poiscailles. Il va se faire engueuler. Bon bah écoutez, il sera là pour le moment. C'est que provisoire. Nous verrons ça. Par la suite, on est descendu à la cave là. Ça va pas. Ok. Alors, Jérémy, tu peux revenir à ta console. Je viens d'y penser qu'il y avait ce truc. Et toi, donc, t'as fini ton bain. Donc, c'est très bien. Tu me vires ça. Et tu vas aller faire ton pipi. Et puis, toi, t'es à jour. T'es à jour, t'es à jour. Peut-être un peu de nettoyage ici, non. Non, bah, tout est propre, tout est nickel. C'est pas mal. Y a rien qui traîne au sol. Non, bah, alors, tu vas venir jouer avec lui. Hop. Jouer un jeu vidéo. Allez, c'est parti. Et puis donc ce sera toi qui prendras une douche ou bain. Alors, tu pourras essayer la douche ce soir à l'arrière parce qu'elle a été installée. Voir si ça marche. Alors, normalement il devrait être beaucoup plus content avec du matériel comme ça parce que c'est le plus cher qu'on a dans le jeu à l'heure actuelle. Donc normalement les douches et bains devraient les ravivre. Enfin les ravir. Théoriquement. 6h30, alors on a des restes, ce qu'on va manger ce soir. À ce qu'ils vont manger ce soir. Oui. Et puis bah la soirée va passer très vite. Hein. Il y aurait peut-être quelques journaux à recycler aussi. Regarde un peu dans leur inventaire. Graines, graines, graines. Et de la graine. Ok. Bon bah de la graine, il y en a plein. C'est vrai que j'avais dit aussi qu'il fallait qu'on se mette à faire du jardin. Les aventures de Reynald, ouais bon, on va le foutre dans la bibliothèque, hop. C'est un coupon. Un pomelo, donc il faudrait qu'on aille en course. Ouais, bon après tant pis. Hein. On pourrait éventuellement en récupérer un ici. Alors toi tu vas t'en occuper, vous allez arrêter la console mes amis là. Tac. Et puis de toute façon il va être l'heure de manger, hein, 19h17. Hop, je vais lui faire prendre juste le bon de réduction. Duel de danse à n'importe quelle librairie. Ok. Allez, à la soupe. Donc, manger les restes. Je sais pas lequel est le plus vieux. Tiens, on va faire le poisson. Et c'est parti. Comme ça, ils vont discuter un petit peu. Ouais, donc demain, quand Jérémy aura fini son boulot, je vais lui faire installer l'évier. Et puis, sur les jours suivants, je pense que je ferai tous les meubles d'un coup. La journée du mardi. Allez, c'est Jérémy qui va s'y coller à la vaisselle. Toi, je vais te faire profiter un petit peu de l'ordinateur. T'aimes bien en faire. Parcourir le web. Pour essayer de lui faire faire un petit peu d'écriture ou quelque chose à elle. Bon, après, on peut discuter avec les gens, mais bon. Pour voyager. Après, il y a genre consulter les opportunités immobilières, mais le problème, c'est que ça nous ouvre des menus là, de voyage et tout, donc ça sert pas trop à grand chose. Ok, donc ça c'est bon. Tac, tac. Hygiène, donc toi, douche. Normalement, faut pas se doucher après manger. Bon, j'ai toujours entendu ça. Mais ma foi, je sais pas. On va recycler tous tes trucs là-dedans. Et puis tu me sortiras les poubelles. Voilà, on va faire les choses dans le bon ordre. Bout de linge, c'est pas grave. Donc la salle de bain elle est assez sombre hein, pour le moment. Mais vous inquiétez pas. Quand on y mettra tout ce qui est luminaire, je vais quand même en mettre pas mal. Hein, même dans la totalité de la maison. De toute façon, c'est ça qui est prévu dans le long terme. Pour qu'on la rende un peu plus lumineuse hein, parce que c'est bien joli tout ça mais on y voit quand même pas grand chose. Il y a très peu de lumière hein, finalement. Donc bon. Alors c'est quoi les horaires de travail? Oh bah elle maintenant c'est le soir ouais. Et lui c'est 9h. Ouais bon de toute façon on va essayer de pas les faire coucher trop tard.
Pas encore le temps de me nettoyer ça. Et voilà donc la journée du dimanche terminée. Bah, la journée du lundi va passer beaucoup plus vite. Puisqu'il y a le boulot. Et oui, il faut quand même qu'on fasse rentrer quelques sim flous dans la banque, hein, si on veut continuer nos travaux futurs. On aura quand même pas mal dépensé là avec la salle de bain. Puis on n'a pas fini. Parce que toutes les petites décorations de merde, mine de rien, ça coûte. Hein. Les meubles, c'est quelque chose, mais... Bon bah Jérémy, allez, dodo. Elle, je peux la faire traînasser un petit peu, elle se lève plus tard, hein, de toute façon. Yop. Ouais, je vais la faire traînasser jusqu'à minuit, elle. Oui, les filles sur Internet, ça y passe du temps. Il n'y a pas que les garçons. Elle fait son petit shopping, elle fait son repérage. Allez, quick, comme ça, la nuit passera plus vite. Donc toi, tu me coupes ça. Et tu vas dormir. Allez, c'est parti. Comme ça, le temps va passer beaucoup plus vite. Voilà, vitesse maximum. Donc je repoufinerai au niveau des sons, parce qu'il a fallu tout que je re-règle le jeu. C'est le problème quand je suis longtemps sans y jouer. J'avais déjà expliqué, hein, tous les réglages sautent en fait. Et c'est au niveau du jeu, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il est 4h du matin. Bah oui, Jérémy, lui, il dort plus. Par contre, elle doit être encore bien. Non, Zoé, bon, elle va rester au lit, elle sait très bien. Allez. Tu te lèves bien trop tôt, mon ami. Bon, après, il leur faut tellement de temps aussi dans les Sims pour faire quelque chose. Ainsi qu'il y avait un truc nucléaire. Elle, je sais pas de quoi elle rêve. Pipi pour Jérémy. Douche, ça ira. Sa voiture, elle doit arriver pour 7h, je pense, ou 8h. Il faudrait aussi que je le remette au sport. Et ça va être le problème, c'est ce que j'expliquais. Le plus on met de DLC... Non, mais attendez, le chiotte tout neuf est déjà bouché. Oh, bah c'est pas top, ça. Ça commence bien. Alors on pourrait faire des améliorations pour les rendre incassables, etc., etc. C'est possible. Mais je trouve que c'est pas hyper réaliste. Bon, vous allez me dire qu'ils soient bouchés sans tous les 4 matins, c'est pas hyper réaliste non plus, mais bon. Putain, mais ils dorment super bien dans ce lit-là maintenant. Il est 5h du mat, elle est déjà réveillée. Après, je les ai fait coucher de bonne heure. Bah écoute, tu vas déboucher les chiottes, hein, on a du matin. Hein. C'est pas très gay, mais bon. On va t'occuper. Hein. Quick. Toi, bah t'es prêt? Je vais te faire... mettre un uniforme. Alors, tu fais quoi déjà comme boulot, toi? Il est ajusteur d'aquasystème. Ok. Regardez-moi ça. Pleuf, pleuf, pleuf. Bah Jérémy a peut-être mal installé la plomberie. C'est possible. Non, après c'est juste aléatoire, hein, c'est tout. Pourtant, il me semble qu'on a le chiot quasiment de meilleure qualité. Hein. Il me semble que c'est le mieux. Marc Jérémy aurait été sûrement beaucoup plus vite pour faire ça. Donc toi, tu vas attendre un petit peu. Ça y est, elle a fini quand même. C'est bien, ça lui fait un petit peu de mécanique, là, comme ça, de bricolage. Donc toi, tu bosses lundi, mardi, ouais.
Donc peut-être la salle de bain sera finie le mercredi, vraiment, dans sa totalité. Puisque là, le mercredi, il bosse pas, je lui ferai peut-être faire toutes les petites conneries. Et puis on mettra après les dernières petites décos manuellement au fur et à mesure. Hein. On peut très bien estimer que qu'après leur boulot, ils passent en course ou je ne sais quoi acheter. Puis ils ont déjà des choses, hein, même. Zelda, elle est arrivée avec des cartons hein, quand elle est arrivée là. Même si elle avait pas grand-chose. Ses petits produits, ses trucs, elle les a déjà. Hein. Très bien dire que c'est là, dans la chambre, par terre, et puis que ça attend des meubles, hein, tout simplement. Hop, alors, déjeuner pour mademoiselle. Tiens, tu vas me bouffer quoi ce matin? Allez, pain et confiture. J'espère qu'on va pas la faire grossir. Parce qu'elle, elle a quand même une taille correcte. Ouais, il doit pas être bien loin, ton taxi, là. Ouais, ça y est. Il est pensif, notre Jérémy, ce matin. T'es levé tôt? Ouais, j'arrivais plus à dormir. Bah, toi aussi, hein, Marc? Bah, ouais. C'était peut-être la pleine lune. On va s'occuper principalement de Zelda. Son Jérémy va se débrouiller maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire faire à notre demoiselle ce matin? Ce moment, il y aura des factures à payer, sans doute. Non, il n'y a pas. Bon, de toute façon, tu vas prendre une douche, tiens, déjà, pour commencer. Toc. Allez, vitesse plus rapide. Hop, Jérémy qui est parti. En 4-4. Eh ben c'est très bien. Allez. Et on n'observe pas Zelda qui est en train de se doucher. Interdit. Ok. Donc tout ça, il faudra bien sûr penser à y nettoyer de temps en temps. Coule de source. Non, c'est bon. Est-ce que tu pourrais pas passer un coup de fil à quelqu'un, toi? Et elle dit Henry, mais bon. Bah lui c'est un mec du groupe, alors regarde, elle pourrait le discuter en l'appelant. On va faire passer un peu de temps. Bon, c'est principalement ça ma priorité là, c'est vraiment la salle de bain. À avancer du moins. Avancer, c'est ce qui va nous permettre par la suite du let's play d'envisager les prochaines choses. Pas forcément sur les travaux, mais au moins sur d'autres choses, parce que j'aimerais bien quand même voir d'autres trucs du jeu, notamment avec le dernier DLC qu'on avait mis là. Mais le problème de ce DLC là, c'est qu'il faut aller sur la ville en question, et c'est chiant parce que en soi, on peut pas vraiment s'y rendre comme notamment les vacances quoi. Regardez un peu la téloche. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Jérémy. Ça bosse, tranquillement. Ben, je crois que j'étais jamais venu à son travail ici. Ouais. Le bâtiment est un peu différent, quoi. Il y a le train qui passe. On profite un petit peu pour vous montrer. J'ai l'impression de revenir à mes débuts de let's play. Ça fait pas de mal. Un petit peu plus le temps. Pas une chaîne pour toi. Cuisine, non. Bon, moi, qu'elle peut aimer les trucs d'horreur, elle. Elle est quand même plutôt casse-cou. Alors, niveau compétences, ouais, jauge de performance, elle est en bas. Et lui, il est là. Celui-là, il est déjà au niveau 8, hein, je crois. Hein.
Niveau 6 peut-être, non 8 hein. Ce serait niveau 5 elle. Pour ça il y a 10 niveaux hein, dans les professions. Peut-être on le fera changer de boulot hein, Jérémy au bout d'un moment, je sais pas, peut-être. Essayer de voir un petit peu quelque chose de différent. Même si on va y perdre, c'est sûr, niveau salaire. Bon, ça peut pas être pire que ce qu'on faisait fut un temps. J'ai envie de dire, les boulots de base du jeu payent quand même plutôt bien. Quand il y a les promotions, plutôt rapidement, quoi. Ok, 13h, et donc toi tu bosses à 15, 17, hop. Allez, Jérémy il a fini, il a gagné 819, donc on va pouvoir le remettre au boulot. Bah alors, on va passer de la journée devant la télé, Zelda. Hop, vitesse 1, merci. Tiens, chope le journal en passant. Non, t'es pas la bonne personne. Bon, je vais te le faire lire, comme ça va me permettre de faire les travaux. Il y aura du courrier, les factures. T'as les factures, on paye une blinde, c'est affreux. Depuis que Zelda est là, c'est monstrueux. Moi, je pense que c'est par rapport au nombre de personnes qui sont dans le foyer, en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça. Alors, on a quoi? Vasque d'émotions à la piscine. Après la tragédie hier, les personnes présentes à la piscine ont vu avec horreur Lenny Smith John se noyer. Oh bah d'accord. Pu faire quelques longueurs dans une piscine avec si peu de monde. Bah tu m'étonnes. Mon dieu. Le véhicule de covoiturage arrive, ouais. Les broncos légèrement en meilleure forme. Ouais, donc ça c'est les buts. Lieu branché à la une. En ce moment, tout le monde parle de cet endroit, le rendez-vous rouge. Si vous êtes au cœur de l'action nocturne, vous devriez y faire un tour ce soir. Bon, on n'a pas trop le temps. Bon, allez, boulot pour Jérémy. Donc, je vais le mettre ici pour pas qu'il me gêne, quoi qu'il est très bien sur le canapé. Ou alors, je vais juste attendre que Zelda parte au boulot. Donc, du coup, on va la préparer, la demoiselle. Pipi. Pipi, pipi. Et puis, bah, mettre la tenue. Elle est découvreuse de nouveaux talents normalement. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle a une espèce de robe, il me semble. What, what? On y va. Ah non, ça va, elle est pas en robe, elle est en pantalon. Ok. Allez, travaux. À ce soir. Ouais, à ce soir. Et c'est reparti pour le deuxième. Alors, nous, on se met pause. On clique sur Jérémy, même s'il n'a pas vraiment besoin. Et nous sommes partis donc dans un nouvel achat, avec donc cette fois-ci la pose de notre évier et meuble. Alors là, ça va être plus compliqué à gérer, puisque l'idée générale, alors il faut que je vois comment ça tient, que lors de mes essais, je me suis pas mal amusé. Donc en fait, j'utilise cet évier-là, qui est donc à 600 balles, qui est plutôt sympa, avec la couleur noire. Et pareil, je reverrai ça après. Donc là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. C'est soit je le mets au centre avec des meubles de chaque côté, ce qui pourrait être une option. Le problème, c'est que si je le mets là, les Sims ont tendance à venir faire la vaisselle dedans. Si je le mets là, normalement, c'est mieux. Et je peux faire deux meubles ici, c'est presque plus propre. Sinon, je peux mettre aussi de l'autre côté. Bon, vous allez me dire, après, je peux y déplacer. Hein. Sinon, il faut que je mette deux meubles ici. Sinon, après, au niveau des meubles, c'est pareil, on verra les couleurs. J'étais parti sur ceux-là, voilà, avec le tiroir. Ouais, c'est ça. On met bien sûr donc enfoncé, mais faut qu'on regarde un petit peu la place qu'ils prennent, voyez, parce que je peux pas mettre l'évier sur ça, hein, c'est pas possible. Donc si soit je mets deux meubles ici côte à côte,
Non, j'en mets trois ici. Remarque, ça ferait un plus gros pendant de travail pour poser plein de choses. J'avoue. Là, on peut en mettre trois. Ça fait bien une séparation entre le. Remarque, c'est peut-être aussi joli. Un, deux, l'évier au milieu. Juste pour faire un essai, je vais revenir en arrière au pire après. C'est que ce problème, c'est que ça fait un vide au milieu, ça qui est chiant. Bon, après, cela dit, c'est pas très grave. Non, je mets évier, deux meubles. Ouais, on va faire plutôt comme ça. Alors, flèche arrière. Comme ça évite de prendre l'argent. Et du coup, on va foutre l'évier là. Allez, hop. Ouais, ça va être aussi bien. Comme ça, ils ont le truc. Ah oui, c'est pas plus mal, comme ça, ils ont le chat, puis il y aura le miroir. Ouais, c'est bien. Donc, sur les journées suivantes, je ferai les 4 meubles d'un coup. Et du coup, pour aujourd'hui, pour avancer un petit peu les choses aussi quand même, je pourrais mettre le miroir, comme ça c'est fait. C'était le miroir à 300 balles. 250. Ouais, c'est celui-là. Celui qui avait plusieurs... Faut juste que je voie comment il tombe. Ouais, donc ici je peux pas le mettre. Bon, cela dit, c'est pas très grave. Voilà, il faudrait mettre le miroir au-dessus de ça, mais enfin, c'est un peu ridicule. Donc, du coup, c'est pas top mon affaire parce que. Ah, c'est chiant. Si je le mets au milieu, ça passe. Bah, on va pas avoir le choix. C'est pas grave. Donc, on recommence. Évier ici, avec miroir au milieu. Allez. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait les essais que... Voilà, comme ça, ça empêchera pas de mettre les meubles. Donc il y en aura un de chaque côté, et deux ici. Et normalement, il y aura normalement aussi, au niveau des décos, je vais essayer de voir pour mettre une petite machine médicale, là. Il y aura également le dérouloir à PQ. Alors, je sais plus si on l'a dans l'inventaire, mais quand même, je regarde. Ouais, elle est là. Ah, le problème, c'est que si je le mets là, je vais être embêté avec ça. Alors, au pire, le dérouloir à PQ, on pourrait peut-être le foutre ailleurs. On peut pas le mettre ici. Je pense que c'est pas possible. Pour se prendre la tête pour ça, mais... Enfin, il va falloir que je mette mes meubles avant pour me rendre compte de comment ça rend. Bon, bah ça avance. Doucement mais sûrement. Donc on va refaire play. Je vais mettre Jérémy, tiens, à se laver les mains pour l'essayer. Et on continue. Plus tard. Et puis bah quand tout sera installé, luminaire y compris, on fera une dernière session donc avec les couleurs bonnes. Je le ferai peut-être même en off, hein, je vais voir. Ça se trouve à la fin de l'épisode où on aura vraiment fini la salle de bain. Moi je prendrai de mon côté. Parce que mine de rien ça va être long à faire et en épisode c'est pas forcément hyper agréable pour vous à voir. Donc peut-être je le ferai en off et puis comme ça je vous montrerai à l'épisode suivant qu'est-ce que ça donne. Mais par contre il faudra peut-être attendre encore... Bah là si j'arrive encore à mettre les meubles sur cet épisode là, théoriquement c'est possible. Quitte à faire au moins un côté quoi. Au pire, dans l'épisode prochain, on met les derniers meubles, on ajuste un petit peu les décorations, les lumières. Et puis, donc on serait sur le 56 pour vraiment finir tout ce qui est mobilier. Donc vous voyez, à l'épisode 57, on aurait peut-être les couleurs bonnes qui sont censées être mises. Donc c'est pas trop mal. Allez, ça marche, il faudra qu'on fasse tourner une machine. Donc toi, tu vas te prendre une douche. De toute façon, Jérémy, je pense qu'il va beaucoup utiliser la douche. Et puis je pense qu'on va laisser surtout la baignoire pour Zelda. Hein. Il est 18h. Alors c'est, par contre c'est chiant cette histoire de vêtements là qui foutent par terre. C'est bien parce que ça fait une interaction avec la machine à laver, mais alors... Pouf. On passe notre vie à... Je vais le laisser parce que le problème c'est que...
Il mettra pas tout. Donc du coup, faut que je fasse une lessive. Allez, hop, tu vas la mettre en route. Parce que là, il va foutre ça dans la machine à laver et il va pas... Enfin, il va faire deux machines pour... Ça va pas être très économique. Donc on va faire ça comme ça. Et si au pire, si j'ai un peu de temps, je vais lui faire faire du sport à la maison, lui. Il fera pas de mal. Ah, si, c'est bon, il va venir chercher ça. Ouais, donc j'ai bien fait de faire ça. Impeccable. Ouais, tu vas faire un peu de sport. S'entraîner, ça fait longtemps. Faire un peu de force. Histoire de le muscler. Qu'on s'entretienne un petit peu. Faire la lessive. Eh ben, ça tombe bien. Elle est en route. Allez. Tac, on a encore du linge qui traîne. Quand je vous le dis que c'est une misère. Je peux même sûrement modifier le rythme, ou je sais pas. Un jeu vidéo, non. Bon. Ah, c'est là, pardon. Bon rythme. On va faire le s'agiter sans suer, parce que je viens de le doucher. J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû faire le sport avant la douche. Enfin, ah oui, oui, oui. Tant pis. Bon, après, je viens d'y penser quand j'ai fait la machine. Allez, j'avance un peu le temps. Si on peut faire encore la journée du mardi dans cet épisode, ça serait cool. Moi, le moyen, moyen. Oh, il y a de l'eau dans la truc. La machine à laver serait en panne. Bon, c'est peut-être normal. 20 minutes avant la fin, oui, c'est vrai que ça dit le temps. ...20h14... Allez, ça ira pour aujourd'hui. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si, la machine à laver, elle est en panne, disons. Oh là, mon Dieu. Réparé. Oh, purée, ça fuit. Oh, la machine est en panne. Oh là là là. Donne-moi ce chantier là-dedans. C'était bizarre qu'il y ait une flaque, quand même. Bah oui, mon grand. Ah, bah oui. Bon, bah, devoir réparer ça. Hein. On va déjà sortir le linge. Ah, oh, oui, t'as faim, en plus. Ah bah, on répare avant. Allez. C'est pour vrai, on a vraiment une maison de misère. Hein. Voilà, est-ce qu'il est sec au moins? Enfin, est-ce qu'il est propre? Peut-être bah, même pas essoré. Oh, bah c'est bon, la mousse, il y en a eu assez. Oh la vache, mon Dieu. Je pense que tant que je la répare pas, en fait, ça va couler. Dis-moi, ça coule jusqu'à dehors. Oh. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'on répare ça avant que la demoiselle rentre, parce que là, on se fait rappeler Arthur, sinon. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, go! Je vais l'observer, regarder la machine, je vais voir un peu comment ça se passe. D'accord, il ouvre la trappe en bas. Ah, c'est pas mal fichu. A mon avis, c'est que t'as pas vidé tes poches, Jérémy, et puis... Le filtre est bouché. Il y a panne sur 50 000 machines, en général, ça. Oh, bah c'est rapide. Pouf! Allez, comme neuf. Voilà, tu vas passer la serpillière. Oui, et puis tu manges des restes. On mentira à Zelda, on lui dira « Oh, j'ai passé un peu de temps pour installer le l'évier, ça a été plus long que prévu. » Elle ne sera jamais au courant de la panne de la machine à laver. Allez, dépêche-toi parce qu'elle arrive dans pas longtemps. On arrive peut-être vers 23h. Ouais, elle finit à 22h30, donc... Elle a déjà mangé, donc elle, c'est cool. Elle est toute nickel quand elle va rentrer. Ouais, une belle ville, Zelda. Hein. Mieux que Jérémy. Par contre, il a pas perdu de poids. Allez, zou, mangeons. Zelda qui nous ramène 350 balles. Impeccable. Le compte est un petit peu remonté. Oui, j'ai dépensé pour ça, du coup. Et elle, au niveau de son travail, ça monte doucement, c'est très bien. Allez, hop, vaisselle pour Jérém. Et puis ma petite Zelda, eh ben ma foi, elle va se poser. Elle... Ouais, bah ouais, il est parti faire la vaisselle dans la salle de bain. Bah oui, forcément, l'évier est mieux. Et ça va être la misère au début, mais bon. On fera de toute façon, quand on fera la cuisine plus tard... On essaiera de faire en sorte de mettre l'évier du genre par là. Ça se trouve, ici, je le refermerai. Je sais pas comment je vais faire. Mais on essaiera de faire en sorte qu'il soit plus près, parce que ça, c'est pénible. Ça va être souvent le cas. Alors, pipi
et nettoyer. Et puis, on va aller faire un câlin à Zelda. Romantique. Bah, on la sait, heureusement. Allez, c'est parti. Elle a même pas été voir le travail de Jérémy. Elle ira après. Coucou ma chérie. Était la journée? Oh oui, oui. Dis-toi. Bon oui, j'ai installé le... évier, puis j'ai installé le miroir. Ah, cool. Faut que j'aille voir ça. Bah oui. Hop, tiens, on va aller faire des grimaces. Je crois qu'on peut faire ça ou un truc. Ouais, jouer avec le reflet, voilà, c'est bien. À pouvoir se faire belle, notre Zelda. Ah, regarde, elle est contente. Oui. Toi, tu vas aller au dodo parce que tu commences à t'endormir, mon cher. Il est minuit 10. Ça me fait penser à un truc là, Eric et Ramsey. Une fois, je me suis couché minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué. Allez, c'est bon, toi aussi. Si t'arrêtes ton cirque là. Tiens, je vais te faire juste un petit peu d'hygiène en te lavant les dents. Hop. Et au lit. Puis le linge, bah, on le récupérera demain matin. Ouais, tant pis. Allez, j'essaie de vous caler la journée du mardi. Et je pense qu'on se quittera juste après ça. Je vais juste faire le point sur les dates. 154 jours avant de vieillir pour être une adulte pour notre chère Zelda. Et Jérémy qui est beaucoup plus jeune. 308 ou 309, un truc comme ça. C'est jamais facile à lire pour moi. Donc, ouais, ils ont le double d'écart au niveau jour de Sims, hein, mais... Ah, réellement, ils ont peut-être, je sais pas moi, ils peuvent avoir 4-5 ans d'écart. Hein. Bon, c'est pas choquant. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que Zelda sera une adulte avant Jérém. Si on la garde. Ça, faudra avoir regardé la série pour le savoir. Je sais pas si c'est avec elle que Jérémy finira sa vie. Pour le moment, c'est sa compagne. Ah bah ça se lève moins tôt hein, ce matin. Ah bah là, ça faisait les malins hier, mais là... Hein, c'est plus du tout la même. Hein. Allez, au boulot mon ami. Demain t'es en repos. Donc, qu'est-ce que t'as à faire ce matin? Bah pas grand-chose. Bah la douche tu la feras en revenant, donc tu vas déjeuner directement. Et céréales. Zelda fera le rangement. À la rigueur, je peux peut-être te faire te brosser les dents après. Et puis... Non, c'est pas celle-là. Mettre un uniforme aquasystème. Bon, il y a des chances que t'aies ta promotion aujourd'hui, toi. Ce qui m'arrange pas, parce que je trouve que ça monte trop vite, mais bon. On va la prendre quand même. J'espère que tu auras le temps de faire tout ça avant le taxi. Ouais, non, t'auras pas le temps. Ça, t'auras le temps. Bon, ça, tu vas le faire tout seul, hein, en soi. Allez, hop. Il a laissé son bol. Zelda est réveillée. Qu'est-ce que t'as mal au ventre? Ah non. Nous fais pas un petit... ici, hein. Interdit, ça. Je vais le laisser, comme ça tu ramasseras ça quand tu vas faire toute ton hygiène. Déjeuner. Mais toi par contre, je vais te faire bouffer les restes. Allez, hop. Voilà, quand tu vas avoir déjà fait tout ça, on va avoir avancé dans la journée. Il faudrait peut-être aller au travail par contre, mon cher. Voilà. Parce que, à mon avis, ton taxi est parti. J'en sais rien, mais ça y ressemble. Ah, et t'es en retard, après, bah zut, on est en retard. Vite, hey, je t'attends, hein. Bah ouais, écoute. Hein. Fais comme on peut. Oh, on n'est jamais en retard, c'est bon, hein, vous allez pas nous enquiquiner. Hein. Ah, arrive.
Alors, Zelda. La petite factrice. Il a toujours sa petite robe rose, il faudrait que je la change aussi. Je pourrais lui faire faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Acheter un objet de type trampoline. Oui, bah non. On n'a pas besoin de ça. Appeler Béatrice Bonnet. Oui, si tu veux, on va te faire faire ça. Alors c'est pareil, hein, au niveau des promotions, ils doivent prendre parce que du coup, ils sont quand même, mine de rien, assez heureux. Voilà. Ça doit les aider. Pourquoi t'as pas tout mangé? Bah nettoie, et tant pis, t'as plus faim. Oh, un estomac de petit oiseau. Alors, tu vas me faire le nettoyage, tu vas me faire les vêtements. Tu vas me faire... Oh, le Jérémy le fera en rentrant. Tu vas me faire... La tenue. Je vais te changer quand même. Tu peux avoir une tenue, changer de tenue. Qu'est-ce que je te mets en quotidien? Truc. Va te mettre comme ça. Allez. Ça va changer. Voilà. Et ensuite, on pourra donc maintenant, grâce au miroir, la changer d'apparence. Mais je le ferai à l'arrière dans l'épisode prochain. Tac, tu vas me nettoyer ça, comme ça on a une maison qui est nickel. Voilà, elle s'occupe quand même du ménage. Mine 2. Et puis, bah en attendant, tu vas me continuer la guitare. Parce qu'il faudrait quand même que tu le gagnes, ce point de compétence. C'est quand même un truc qui a été demandé. Au niveau opportunité. Sentier de la gloire. Ah ben on aura une nouvelle composition. Et il y a une date de fin, ce truc-là? Non. Enfin, des fois, au bout d'un moment, ça nous dit quand même... que c'est trop tard. Ah oui, elle est belle, cette tenue-là. Alors, j'ai hâte d'avoir le DLC de saison. Malheureusement, il arrive très tard. Et là, j'avoue que ça met quand même une mécanique de jeu assez intéressante. Parce que du coup, bah déjà, c'est pas tout le temps le même temps. Puis déjà rien qu'au niveau des tenues, et puis je crois que ça rajoute la fonction de tenue d'hiver, etc, etc. C'est un peu mieux. Alors pause, parce que là, il vient de se passer quelque chose. Le travail acharné et les efforts réels ont vraiment payé et méritent bien une augmentation permanente. Et allez donc, bah Jérémy, ça y va. Je sais pas à combien qu'on commence à toucher de l'heure, mais ça commence à être pas mal. On est à 185, je crois. On touchait 1000 balles, je crois déjà. Ah, Jérémy gagne bien sa vie. Hein. C'est cool. Plus, à mon avis, on va avoir la promotion. Donc là, je t'explique pas on va ramener un sacré pactole encore ce soir. Hein. On va avoir une promotion, là, de... Enfin, on va ramener 3000 bifetons à la maison ce soir. Hop, 819, plus la promotion, ouais, ça va être ça. Hein. Alors, on a quoi? Qu'il a gagné 819. Ah ben non, je croyais qu'on gagnait 1000. Mais non, on gagne pas tant que ça. Et donc, il a été promu reséquenceur génétique grâce à ses performances impressionnantes. Il est temps de passer au poste de reséquenceur génétique. Certains paient des montagnes de Simflouz pour découvrir de nouveaux gènes à mettre en bouteille et à vendre à leurs clients. C'est un secteur lucratif, plein de découvertes, d'intrigues et de gènes à la mode. Donc on gagne désormais 232 de l'heure et travaille de 9h à 13h30. Donc on doit travailler même encore moins. C'est typo merveilleux. Ouais, bon bah écoute... Prenons. Hein. C'est bien parce que quand on va avoir... C'est aussi un peu pour ça que je fais comme ça, mine de rien. Quand on va avoir peut-être les débuts d'une famille avec un premier enfant ou plusieurs par la suite, je sais pas trop encore comment je vais emmancher ça. C'est vrai que les gamins, ils vont être bien parce que... en tout cas, au niveau du père, donc il sera Jérémy, parce que c'est quand même lui notre géniteur de base. Donc lui, ça restera, parce que de toute façon, on suit quand même l'aventure de ce personnage-là depuis le début. Bah c'est vrai que les gamins auront un père de toute façon quand même qui sera mine de rien blindé, donc pas blindé, façon de parler, mais qui gagnera bien sa vie quoi. Donc ils auront normalement un départ plutôt intéressant quoi.
Même si c'est intéressant, hein, des fois, de jouer les Sims en version pauvre, quoi. Donc toi, je vais te coller devant la télé pour finir ton après-midi. T'en es où au niveau de ton point de guitare, là? T'es peut-être au bout? Moi, je vais te le laisser prendre. Toi, je vais te foutre à la douche. Visiter Alcimara. Ouais, non, mais non, c'est pas prévu pour tout de suite, à mon grand. Arroser les plantes. Je sais pas quelle plante il parle, moi. Peut-être si on avait un jardin. Véhicule de covoiturage arrive pour Zelda. Allez, j'aimerais bien que t'aies à bord. Doit pas t'en manquer beaucoup. Plus. Ça y est, elle l'a eu. Impeccable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sa compétence guitare niveau 5, donc normalement elle devra mieux savoir jouer encore. C'est déjà un grand accomplissement pour une musicienne d'arriver à bien maîtriser son instrument. Cependant, le spectacle doit continuer et Zelda n'est pas encore tout à fait au top. Zelda peut désormais jouer pour gagner des pourboires. Ouais, donc ça, je savais que ça existait. Ça, c'est pas mal, mais bon, je suis pas sûr qu'on le fasse. Vraiment. Bah, sauf si on sort et puis qu'elle sort la guitare, pourquoi pas. Zelda devrait faire un tour à la librairie pour acheter de nouvelles chansons. Moi, c'est surtout pour obtenir la truc, là. Maintenant, faut que je fasse un rapport sur la progression. Allez, c'est à cet endroit de théâtre municipal. Pour terminer cette opportunité. Ouais, mais là, je bosse. Est-ce que c'est grave? Je vais essayer de voir s'il y a le temps. On verra bien. Peut-être que c'est pas gênant. Allez, range-moi cette guitare, ma grande. Stop. Et puis, on va s'occuper de Jérémy, nous. Peut-être elle a le temps d'y aller avant le boulot. On va voir. Pourquoi t'as posé ton sac, là? Oh, c'est pas vrai. Ouais, il entraîne sûrement un bout derrière. Donc toi, je vais te coller devant la télé, comme d'hab, histoire de faire tes travaux, le temps qu'on observe Zelda, ce qui se passe. Elle a pris la voiture, donc ça va aller assez vite. On va la suivre juste 2 secondes. À mon avis, alors une barre de progression, ouais. Donc on va accélérer un peu le temps. Théoriquement, Jérémy va s'installer sur son canapé. Donc lui, il n'y a pas de problème, donc il bosse, hein, tout simplement. Et pour Zelda, c'est réglé. La carrière musicale est en bonne voie. Le propriétaire du théâtre est impressionné par vos talents et voudrait vous voir jouer cette nouvelle composition. Donc on a réussi, on a obtenu la composition. Maintenant, t'es au travail toi peut-être? Ben oui. On va te changer un peu ça. Cela coule et douce. Je vais y arriver. On va faire donc les quelques petits travaux prévus pour Jérémy en mode pause. Donc notamment installer 2 petits meubles. Surface, hein, ce sera des éléments comme ça. Et donc ceux à tiroir. Parce que j'ai regardé, il n'y en a pas qui me plaisent plus que ça sur les autres. Donc non, et du tiroir, ça me plaît bien. Tac, déjà 2. Oh, j'ai dû mettre les marrons. Mais c'est pas grave de toute façon, puisque... Ouais, non, c'est pas dramatique. Ou sinon, je fais tout. Hein. Enfin, je fais tout. Non, je finirai dans l'épisode prochain les 2 là. Comme ça, épisode prochain, je mets ça. Et puis, ouais, bah, tout ce qui est luminaire. Et puis, je vous dis, je ferai à la fin de l'épisode, en off, tous les coloris. Allez, vendu. Vitesse 2. Donc, j'espère que la petite salle de bain vous convient pour le moment. C'est pas encore totalement fini. On avance bien. On avance bien dessus. Ah, la pièce n'est pas immense. Hein. Donc, forcément... Forcément, on n'a pas une salle de bain après du Saint-Centenaire, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de refaire toutes les pièces une à une, donner de la valeur à cette maison, comme ça, bah, si un jour, on vend la maison, pour aller notamment peut-être dans une autre ville, ou qui sait, rester là, moi, j'en sais rien, hein, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas notre vie dans cette baraque-là, mais au moins lui donner de la valeur pour essayer de pouvoir s'en payer une peut-être plus mieux, encore une plus grande. Ça serait l'idée. Voilà, va falloir encore avancer dans le let's play. Par contre, je suis en train de penser, oui, il va peut-être falloir penser à payer les factures. Et oui.
Donc on va le faire, parce qu'on va finir par avoir des huissiers sur le dos. Ça serait quand même dommage avec 14 000 euros sur le compte. Ah oui, bah, de toute façon, même si j'y vais pas vraiment. On va recycler tout ça, tac, 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 tac. Et puis on reprend. Donc toi, tu bosses quand même demain? Enfin, tu bosses, oui, toujours pas demain. Ouais, c'est bon. Et toi non plus. Ouais, donc la journée du mercredi, elle va être dispo. Donc à l'arrière, on pourra peut-être leur faire faire quelque chose dans l'épisode prochain. Extérieur à la maison. C'est-à-dire... alors pas un voyage, hein, parce que le voyage, c'est différent. Mais peut-être qu'on pourrait aller un peu visiter des endroits de la ville qu'on n'aurait jamais fait, ou profiter de choses et d'autres. Alors des fois, il tombe des choses en fin d'épisode. Coupon pour du raisin, gna gna gna, ok. On pourrait répondre au téléphone. Quand même voir ce que ça nous dit. C'est des fois justement des choses pour l'épisode d'après. Je suis pas mal sur le tournage en plus. Toujours plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a à vous entraîner avec l'option repousser ses limites pendant 3 heures pour améliorer votre compétence athlétisme? Ouais, bah pourquoi pas. Selon l'entraîneur du gymnase, les meilleurs athlètes savent repousser leurs limites. On a déjà fait ce truc-là. Hein. Et vraiment repousser leur corps, utiliser l'option repousser ses limites lors de votre prochain entraînement. Ouais, bon, on va le faire, on va l'accepter. Un gain de compétence athlétisme, allez, ça marche. Ça va te faire, de toute façon, du sport, tu vas en avoir besoin. On fera ça dans l'épisode prochain, tiens, sinon on leur fera faire ça dans l'épisode prochain, tous les deux, carrément, un programme sportif en ville, je sais pas trop. Je crois que j'ai vu qu'il y avait de la nourriture qui était foutue. Donc à ce compte-là, je vais lui faire faire un petit bout de cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Dîner. Alors, quelque chose qui est pas payant. Je vais faire du ragoût. Allez. Jérémy, niveau cuisine, il se débrouille bien, lui. Ah oui, hein. Il est un master chef. Il a plein de compétences, Jérémy, mine de rien. Et on est parti avec une nouvelle opportunité. Collaborer avec les habitants en Égypte. Oula, qu'est-ce que c'est? Ça va être plus compliqué, ça. Alors, la musique est un art en constante évolution. Je vous dis, j'ai du mal à lire, moi, sur mon écran. C'est terrible. Vous, en vidéo, normalement, c'est pas le cas. Et on vous a offert l'opportunité d'une collaboration avec des Égyptiens. Ouais, jusque-là, ça va. Aller à Al-Simara. Alors là, par contre, ça m'arrange moins. Et discuter des anciennes et nouvelles influences musicales avec des habitants. Je pourrais pas le faire, hein, c'est pas possible. Parce que là, ça veut dire organiser un voyage. Même si, bon, vous me direz que dans l'aventure et dans la vraie vie, on a des fois, au niveau du travail, des opportunités comme ça à voyager. Alors, le problème de faire ça, c'est que ça met un peu en chambranle tout le truc, donc je sais pas trop. Aller en Égypte et discuter d'influence musicale avec 3 habitants, puis retourner au travail, ouais, c'est compliqué parce que pour un personnage seul, ça serait jouable. Maintenant, juste pour une augmentation de performance au travail, je trouve que ça fait tout un micmac pour pas grand-chose. Bon, vous allez me dire, après, ça peut permettre de faire rentrer des choses en considération. C'est vrai qu'après, il y a plein d'opportunités. Enfin, il y a plein de choses qui en découlent. Parce que, notamment, je sais pas moi, des histoires de tromperies. Enfin, bref, voilà, on peut faire plein de choses, mais je sais pas comment faire. Je pense la refuser quand même, parce que c'est... Moi, dans ce que j'ai de prévu à l'heure actuelle, c'est un peu en contre... Non, là, tant pis. Les voyages, pour le moment, je les réserve vraiment... Tant pis. Après tout, elle peut aussi refuser. Hein. On n'est pas forcément... Ce sera un de ses collègues qui ira. Et puis voilà. Elle a dit au patron, non, désolé, je peux pas y aller, moi. On fait pas toujours ce qu'on veut. Allez, go! 21h, Jérémy est en train de manger. Zelda, elle aura pas faim, normalement. Ah si, aujourd'hui, elle aura faim. Bah laisse-le là-bas. Comme ça c'est bon. Je vais le faire lui s'occuper donc sur la soirée en attendant Zelda, à mon avis de la console ou de l'ordi. Ça fait longtemps qu'il en a pas fait. Peut-être. Je pense pas que ça périme jusqu'à ce que... Tu vas me faire ça et donc tu vas aller là-dessus. Je regarde un petit peu ce qu'il a. Lui, il était truc de l'informatique aussi. Hein. Piraté. J'ai essayé de le surfréquencer, mais je crois que ça marchait pas à l'époque. À mon avis, c'est cet ordi-là qui va pas. Je pense qu'il est trop vieux. De toute façon, l'ordi, la télé, c'est pareil. Hein. C'est des choses qu'il faudrait qu'on change dans le futur, hein, bien évidemment.
Je sais qu'on est, on n'est pas à la pointe de la technologie, hein. Loin de là. Mais voilà, chaque chose en son temps. Je trouve quand même que depuis le tout début de l'aventure, mine de rien, on a quand même acquéri des choses. Hein. Et c'est aussi l'objectif, hein, nous l'oubliez pas. Allez, on est sur la dernière ligne droite. Zelda rentre du travail, 350 balles. Idem pour elle. Donc du coup, c'est bien, ça monte pas vite, ça me va très bien. Donc là, on est pas mal. Le courrier. Oh, vous nous faites tuer avec le courrier, on verra ça l'épisode prochain. Qu'est-ce que c'est, ça? Jouer de la guitare. Oui, bah, si tu veux. Trouver des graines, je vais te l'enlever, et puis on va te mettre dessus, là, plutôt. Donc toi, tu as faim. Donc, allez, tu vas te servir un bon bol de trucs, là. Tac. Tu manges vite fait, bien fait. Tu vas me foutre les restes de côté ensuite. Et puis, ce sera bon. Lui, qu'est-ce qu'il nous fait avec l'ordi, là? Ouais, il est en train de le bricoler, mais ça va me dire que ça fonctionne pas, je crois. Théoriquement. Si vous avez des idées, vous, hein, vous n'hésitez pas en commentaire. Hein. Des idées de choses qu'on pourrait faire, mettre en place en tout cas, dans la mesure du possible. Hein. Essayez d'être assez clair sur ce que vous voudriez qu'on mette en place. Pas des trucs qui sortent de l'imaginaire, hein, parce que ce sera non catégorique, hein, je vous le dis clairement. Vous savez comment je joue, j'aime bien être assez réaliste quand même. Des choses qui peuvent se passer dans la réalité des choses. N'est plus rapide, mais les graphismes sont plus jolis. Ah bah si, ça a fonctionné, dis donc. Ah bah c'est cool. Hey Zelda, j'ai un ordi qui est mieux. Ah bah c'est bien ça. On va peut-être arriver d'en faire quelque chose. Allez, nettoie-moi ton assiette. Et puis il est 23h47, on va se quitter là. Je vais les mettre au dodo comme d'habitude. Et puis on est à jour sur tout, donc ouais je disais, voilà, si vous avez des idées de choses à mettre en place dans l'aventure, vous n'hésitez pas, hein. Soyez voilà, juste un petit peu explicite dans le commentaire, que je puisse un peu comprendre, mais bon après rien ne m'empêche de discuter avec vous en commentaire, il n'y a pas de souci. Pour les prochains trucs, hein, que je pourrais mettre en place. Allez, au dodo pour tout le monde. Moi, il est temps de vous quitter, on a un épisode qui fait une durée plutôt correcte. J'ai avancé sur mes 3 jours, on est mercredi en jeu. On se reprendra là, donc on avancera je pense sur 3-4 jours sur le prochain épisode. Je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous dis à très vite. Donc ce sera normalement sur 2024 hein, pour l'épisode suivant. Des Sims 3 en compagnie de Jérémy Fino et Zelda Maé. Salut les amis!